Êtes-vous heureux ce matin? Regarde voir ton voisin, dis-lui, je suis heureux de te voir. Je suis heureux de te voir, les Dominiques. Daniel, je suis content de te voir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tous nos amis internautes, si je vous disais je suis heureux de vous voir, mais je suppose que vous êtes heureux de nous voir. Et nous, on est heureux d'être avec vous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu. Il est saint. Dimanche dernier, j'avais la joie de célébrer dans le grand stade à Bangui avec plus de 10 000 personnes. Et je vous assure, quand nos frères africains chantent, c'est glorieux. Mais j'étais particulièrement ému. Je ne vais pas vous parler de l'Afrique ce matin. Je le ferai la semaine prochaine. J'ai fait quelques petits films. Je vous montrerai un peu. Mais j'étais ému aux larmes parce qu'à la conférence, j'ai vu entre autres, bien sûr, il y avait des centaines de personnes qui étaient là. Ils ont maintenant plus de 800 églises au Centrafrique. Moi, je voudrais qu'un jour, on ait 800 églises en France. Mais 800 églises, rien que l'Action apostolique africaine qui avait été démarrée par le papa Burkhard. Hein. C'est-à-dire que cet homme est parti au Centrafrique à 70 ans. Il a commencé avec 6 étudiants sur sa terrasse.
40 ans plus tard, il y a 800 églises. 800 églises. Et là où j'étais ému, je vais vous dire où j'étais ému. On me présente cet homme et je leur ai dit, vous êtes venus comment? Ils m'ont dit, on est venu, on a fait 800 km un chemin à vélo. Nous avons mis 7 jours pour arriver. 7 jours dans les conditions du Centrafrique et du Congo. Sur des pistes, en passant par des zones dangereuses. Avant que je parte, ils avaient décapité une sœur catholique. Mais ce qu'on ne nous avait pas dit, c'est qu'ils n'avaient pas que décapité une sœur. Ils avaient tué 55 personnes. Cependant, les informations font le tri. On dirait que quand c'est un blanc, c'est important. Quand c'est 55 personnes noires, on n'en parle pas. Et quand je suis reparti, il y avait à nouveau eu des assassinats. Et ses frères ont traversé 800 km à vélo. Et ils ont dû refaire 800 km dans l'autre sens. Quand j'ai vu les vélos, j'étais ému, je vous les montrerai. J'étais tellement touché. Je vais vous dire, j'ai fait quelque chose en votre nom sans vous demander. C'était des vieux vélos. En votre nom, je leur ai acheté 7 nouveaux vélos. J'ai dit, l'église de Mulhouse vous offre 7 nouveaux vélos. Je peux vous dire une chose, j'ai rarement, depuis longtemps, plus vu une telle joie. Vous savez ce que c'est de voir des yeux qui brillent. Même nos enfants, vous leur offrez un vélo, je voulais un rouge. Là, j'ai vu ces hommes, un d'entre eux avait 47 ou 48 ans. J'ai dit, mon frère, tu es un héros. Moi, je vous inscris tous les 7 au Tour de France. Nous, ici, ah frère, le parking est occupé, on est obligé de mettre la voiture à 500 mètres, ça fait loin, on va vous suivre sur le net. Ouais, je ne sais pas comment on va expliquer ça à Dieu au ciel. Hein. Et quand tu vas lui expliquer ça, il va dire, viens vite, combien t'avais fait pour aller au culte? 800 km à vélo. Ah, frères et sœurs, nous sommes loin de leur ferveur. J'aimerais tous vous emmener un jour avec moi là-bas. J'aimerais tous que sur le terrain, nous puissions voir ce que ces hommes et ces femmes payent comme prix pour pouvoir venir. Eux auraient toutes les raisons de ne pas se déplacer parce qu'eux savent qu'en cours de route, ils peuvent mourir. Mais ils viennent. Que vraiment Dieu nous aide. Que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit pour que nous aussi, on soit capable de faire 800 km. Mais déjà rien que 800 km en voiture, on se plaint. Oh yeah! Que Dieu nous aide. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, je souhaite que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit ce matin de telle manière que tu feras 1000 km à vélo pour aller à l'église. 1000 km. Serre-le dans tes bras. Dis-lui, je souhaite vraiment que tu sois tellement rempli du Saint-Esprit que les distances ne te préoccupe plus, que le fait de te lever tôt ne te préoccupe plus, que le fait d'aller dans la maison du Seigneur, c'est un tel privilège, une joie pour toi, que tu n'hésites plus. Le pouvoir
Pour ce qu'il a fait, là où tu es, bénis-le. Pendant que les musiciens continuent avec le prochain chant, bénis-le. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans ses grands bienfaits, il y a l'offrande de ton Fils. Je ne te bénirai jamais, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Créateur des cieux et de la terre. Toi qui tiens le monde dans tes mains, je te bénis d'avoir donné en offrande l'agneau parfait, Jésus, venu pour nous sauver, venu pour me libérer, venu pour ouvrir une voie nouvelle dans laquelle tu nous as envoyé, Père, le Saint-Esprit. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit promis et nous voulons le célébrer ce matin. Oui, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Tu as ouvert le ciel à la Pentecôte. Et ils furent tous remplis, et je te prie que ce matin, nous soyons remplis de ta présence. C'est en t'adorant, c'est en étant près de toi, c'est en étant avec toi et dans la communion que nous recevons la présence du Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, toi qui es là, toi qui es au milieu de nous, remplis les temples que nous sommes ce matin. Remplis les temples que nous sommes. Remplis les temples que nous sommes. Oramira mania barabashe, amor mara maria mane vere mandura maru. Yaro mara melo mari mana narabae. Yamare meno no, remera mi, sonora mare ve. Vera, vera, mira, luz.
esprit maintenant.
le moment de l'adorer. Adore-le. Élève ta voix. Lève tes mains vers le ciel et adore-le. Nous ne voulons pas seulement le chanter, nous voulons le faire. Je veux me prosterner devant toi, ô Éternel. Tu es digne d'être adoré. Tu es saint. Tu es tout pour moi. Tu es ma raison de vivre. Celui qui connaît ton nom cherche en toi son refuge. Car tu ne l'abandonnes jamais, ô Éternel. Celui qui connaît ton nom cherche en toi son refuge. Tu es le divin berger. Et je t'adore ce matin de tout mon cœur. Et je veux te louer de tout mon être. Et je veux te glorifier. Nul n'est semblable à l'Éternel. Tu as créé les astres, tu as créé les galaxies, tu as créé l'infiniment petit et l'infiniment grand, mais tu m'as surtout créé à ton image, et je veux devenir semblable à toi. Je veux t'adorer au travers d'une vie transformée, t'adorer au travers d'une vie sanctifiée. Tu es digne, digne de louange. Continue à le louer dans l'esprit, les instruments tout doucement. Continue à le louer, Mélanie, continue à nous conduire. Continue à le louer, ouvre ta bouche et la remplis. Temps parti.
particulier, il y a un temps particulier. Continuez à le louer dans l'esprit. Vous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, sortez de vos rangs, venez jusqu'ici. Je vais demander à tous les responsables de venir aussi. Nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit maintenant. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, sors de tes rangs, viens jusqu'à l'avant. Que les frères responsables s'approchent, que les pasteurs s'approchent. Sortez rapidement de vos rangs, venez. Ce sera la Pentecôte pour vous ce matin. Madame, vous avez votre main qui a paralysé il y a plusieurs mois maintenant, mais on ne sait pas déterminer la raison, la cause, l'origine. Et les médecins sont d'ailleurs très inquiets parce qu'ils ne savent pas comment cela va évoluer. Et le Seigneur vous dit ce matin, vous aimez le Seigneur, vous criez vers lui. Il vous dit simplement, ma fille, ne crains pas, je vais te guérir entièrement. Le médecin vous a dit que cela pouvait progresser à d'autres membres, et qu'il ne pouvait rien vous dire de certain quant à l'avenir. Mais vous allez vivre la guérison. Le Seigneur va vous libérer. Ma sœur, s'il te plaît. Tu es derrière les barreaux de l'addiction de l'alcool. Et je sais que tu souffres. J'ai vu ta souffrance. Oh, si je te parle, tu te reconnais. Tu sais que tu es lié avec ça. Et j'ai payé le prix pour toi. Alors viens à moi et donne-moi ton fardeau. Parce que les médecins peuvent essayer de te soigner, mais ils te soigneront, mais tu ne seras pas délivré, libéré, alors que je suis celui qui libère. Alors viens à moi et je te libérerai. Fais-moi confiance et tu verras ma gloire, que tu seras entièrement libre si tu viens à moi, parce que j'ai déjà payé le prix. Amen. Tu critiques, car tu dis, maintenant le jour de la Pentecôte, s'il y aurait vraiment ce baptême du Saint-Esprit, je le cherche déjà si longtemps et je ne l'ai pas, et je souffre dans mon corps vraiment est en train de se détruire. Tu accuses et tu est vraiment critiqueur, sache, je te parle, tu ressens que je te parle. Si tu vas t'humilier là où tu as critiqué, là où tu as vraiment dit des choses négatives, moi je te baptiserai du Saint-Esprit. Et en plus, je te guérirai, je te promets, je suis celui qui a payé pour toi à la croix. J'ai versé mon sang afin que tu dois vivre une intervention de ma part. Mais obéis, fais ce que je te dis, va t'humilier et demande pardon. Et tu seras baptisé du Saint-Esprit et guéri dans ton corps. Le Seigneur, frères et sœurs, Église, m'a rappelé cette prophétie du prophète Ézéchiel sur la vallée des ossements desséchés. Et il m'a dit, beaucoup sont comme morts. Certains sont comme morts spirituellement, desséchés. Et je dis, Seigneur, le prophète t'a demandé que faire. Et tu lui as dit, prophétise. Et ce matin, je veux prophétiser sur tous ceux et celles ici présents, sur le net, tous ceux qui entendent ce culte, un esprit de vie, un esprit de résurrection. Esprit des quatre vents, viens, souffle sur ces ossements desséchés. Souffle sur ceux qui sont comme morts spirituellement. Redonne-leur la vie. Et à l'instant vous entendez ces paroles, le Seigneur veut vous redonner la vie. Il veut vous redonner une vie nouvelle,
une vie puissante et forte. À l'instant, vous entendez ces paroles. Reprenez vie. Et tout le long de cette semaine, l'Esprit de Dieu va continuer à souffler sur vous et vous allez retrouver la vie et le Seigneur qui vous aime. Te bénissons, Père. Te bénissons de ce que c'est toi qui donnes la vie. La vie ne procède pas de nous, elle procède de toi. Elle vient d'en haut. Tu es le Père des Lumières. Nul ne peut naître de nouveau si ce n'est par le Saint-Esprit. Nul ne peut vivre dans le royaume si ce n'est par l'action du Saint-Esprit. Et nous te bénissons pour cela. Sois glorifié. Nous allons prier pour l'offrande. Nous allons prier pour l'offrande aussi comme un moment de reconnaissance. Parce que c'est un privilège, une grâce de pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu. Je me demandais, Claude, de prier. Merci. Merci, Père, pour ta bénédiction que tu nous accordes jour après jour. Merci pour la liberté que nous avons de se réunir. Merci pour l'amour que tu répands parmi tous les peuples et que tu nous rassembles. Et merci aussi pour la grâce que nous avons de pouvoir soutenir ton œuvre. Je demande de bénir chacun qui donne, qui apporte son offrande. Et je demande aussi de donner vraiment et d'envoyer ton esprit à ceux qui ont à le gérer, pour que ce soit pour l'agrandissement de ton royaume, sous le signe de ton amour que tu nous as révélé par ton Fils Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dans la joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh,
présentation. Avant de t'asseoir, demande à ton voisin et à ta voisine, est-ce que tu sais ce que ça veut dire suivre Jésus? Ceux qui l'ont suivi ont tout quitté. Ceux qui l'ont suivi ont été persécutés. Ceux qui l'ont suivi ont été malmenés. Vous savez, nous on chante ça tellement légèrement pendant un culte, la musique, la batterie, de bons musiciens, de bons chanteurs. Et puis, je te suivrai. Oui, ça veut dire quoi, le suivre? Est-ce que vous êtes prêts à le suivre? Qui est prêt à le suivre? Ok, que Dieu vous aide et que Dieu nous aide. Et on va présenter cette très jolie petite fille, mais elle est belle. Merci Seigneur, merci que tu nous as ouvert la porte du ciel, le chemin de la vérité et de la vie, et que nous pouvons obéir sur ce chemin et remettre Marlise entre tes mains. Comme toi, tu as été remis dans les mains du Père. Merci Seigneur que tu es là présent. Et que tu acceptes l'enfant de nos chairs. Oui, Seigneur, car c'est toi qui déploies des anges, afin que nos enfants soient gardés, protégés, conduits, fortifiés par ta présence et par ton amour. Merci, Seigneur, pour cet instant de grâce et d'obéissance. Amen. Seigneur, merci pour Marlise, merci parce que tu l'as merveilleusement tissée, façonnée alors qu'elle était dans le sein de la maman. Aujourd'hui, elle est là devant nous et ensemble avec ton peuple, nous la bénissons. Nous la bénissons de la bénédiction de l'Éternel. Cette bénédiction qui nous dit ta parole n'est suivie d'aucun chagrin, mais accompagnée par les merveilleuses bénédictions que tu lui accorderas. Tu ne manqueras pas de manifester ta grâce dans la vie de Marlise. Merci de l'encourager, de la fortifier, de te révéler à elle, afin que, Seigneur, alors qu'elle grandira, qu'elle puisse te rencontrer, te connaître comme son sauveur. Dirige alors sa vie et conduis-la parfaitement. Mais Père, nous te prions également de bénir les parents, afin qu'ils éduquent la petite Marlise selon ta parole, dans le respect de celle-ci, dans le respect de ton nom. Père, nous nous réjouissons pour ton œuvre dans cette famille et dans la vie de ses enfants, de la petite Marlise en particulier. Amen. Amen. Comme un tuteur est là pour aider l'arbre à grandir droit, ainsi vous, parents, avez été placés devant Marlise pour qu'elle puisse voir un exemple. Vous serez un exemple non pas dans ce que vous lui dites seulement, mais dans ce que vous vivez concrètement. Ce que vous lui communiquez, c'est ce que vous vivez. C'est pourquoi, eh bien, cherchez toujours à vivre selon ma volonté, ma parole, car c'est en cela qu'elle verra. Eh bien, ma gloire, et c'est en cela qu'elle saura comment se diriger. Et moi, j'étendrai ma main sur elle. Et elle deviendra dans votre maison un sujet de joie et de bénédiction. Je vous aime, je vous entoure, et c'est moi qui vous donnerai, à chaque étape et dans chaque situation, la sagesse, l'intelligence dont vous avez besoin pour mener votre enfant plus loin. Je vous aime. Sois béni, Seigneur, sois béni.
Nous allons nous lever ensemble. Nous allons bénir cette jolie petite fille. Bénis-les. Benjamin, soyez le bienvenu. Merci frère Samuel, merci beaucoup. Voilà, bon, est-ce que vous êtes en forme ce matin? Est-ce que ce temps de louange vous a pas fait du bien? Ça fait du bien, n'est-ce pas? Je suis très 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 heureux d'être avec vous, je suis très reconnaissant du Seigneur des temps que nous avons. Vous savez, on est une église privilégiée de pouvoir vivre des temps comme celui-là. Alors peut-être avant d'aller dans mon message, j'ai une annonce à faire. C'est une annonce qu'on a déjà fait au niveau de la jeunesse la semaine dernière. Et c'est une annonce maintenant qu'on aimerait communiquer officiellement à l'église et peut-être à tous les jeunes qui n'ont pas, qui ne prennent pas part aux différents groupes de la jeunesse. Il y a 2 ans de cela, le Seigneur nous a parlé à tous les jeunes. C'était dans une soirée d'Impact Jeunesse, où Dieu nous disait, préparez-vous, il y a un changement de temps, il y a une page qui va se tourner, et préparez-vous. On a pris du temps pour prier, on a laissé le Saint-Esprit nous conduire, nous guider, voilà, de fil en aiguille. On a vraiment vu que Dieu nous mettait à cœur d'effectuer de vraies, de réelles transitions au niveau de la jeunesse, pour plusieurs raisons. Parce que pour peut-être les plus anciens, il y a eu vraiment un changement de génération. Il y a eu un réel changement de génération et la génération aujourd'hui, la génération après 2000, a un fonctionnement complètement différent. Par exemple, aujourd'hui, un jeune qui est né après les années 2000 ou 2000 jusqu'à après, donc voilà, 14-15 ans, il a quasiment la même chose aux États-Unis, en France, dans les pays à peu près développés, ils écoutent les mêmes styles de musique, ils ont la même façon de s'habiller. On sent que c'est une génération mondiale qui est montante. Et pour que nous puissions les atteindre, il faut s'adapter, il faut réfléchir les choses pour les atteindre. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'à partir de septembre, nous allons avoir un changement d'âge. Donc je préviens déjà les parents. Depuis janvier 2019, on a déjà effectué un premier changement. C'est nous avons créé un groupe 11-12 ans pour les plus jeunes. C'est l'entrée au collège, les 11-12 ans. Ensuite, à partir de septembre, il va y avoir un deuxième groupe. C'est le groupe des 13-15 ans. Aujourd'hui, c'est 13-16 ans. On va le réduire, c'est 13-15 ans. C'est la deuxième partie du collège. Ça va, vous me suivez? Troisième groupe, c'est ce qui est actuellement Impact Jeunesse. Et ce groupe-là sera 15-21 ans. Aujourd'hui, c'est 15-23 et 25 pour ceux qui sont plus persévérants, à qui j'ai laissé un passe-droit quelque temps. Mais nous avons cru bon de réduire l'âge. Pour quelle raison? C'est 15-21, c'est la transition collège jusqu'à études courtes. C'est la période du lycée et les études courtes. D'accord, c'est 2 ans, 3 ans d'études. Et à partir de juin, le groupe Stand Up va s'arrêter. Stand Up n'existera plus. Alors Graziella, de toute façon, tu pouvais pas y aller. Stand Up n'existera plus. Nous pensons et nous croyons, nous sentons quand nous prions que la saison de Stand Up s'arrête. Maintenant, Stand Up laissera place à quelque chose de nouveau, un groupe nouveau qui sera un groupe en tranche d'âge de 21 à 30 ans. D'accord ? C'est pas une version modifiée de Stand Up, c'est quelque chose de nouveau, complètement différent. On vous donnera plus d'informations au temps voulu, mais c'est vraiment un groupe où nous voulons pouvoir atteindre les jeunes entre 21 et 30 ans. Une des tranches d'âge que nous perdons énormément, c'est 21-27 ans.
Nous perdons énormément de jeunes entre 21 et 27 ans et nous pensons pas juste bon, mais nécessaire d'effectuer ce changement. C'est un profond changement, c'est un grand, grand chantier, un gros travail. Il y a beaucoup d'équipes qui sont investies, engagées. Maintenant, j'aimerais vous demander deux choses. Pour les plus jeunes qui voilà, ne connaissent pas ces différents groupes, venez découvrir. Avant de dire « oh, c'est nul », venez découvrir. Je vous assure que ça va être... C'est, l'habitude que j'ai de dire aux jeunes, c'est « ça va être une bombe atomique, ça va être excellent ». Mais venez découvrir. Et la deuxième chose, c'est merci de prier pour ça. Merci de prier. Il y a vraiment de réels enjeux. On perd énormément de jeunes. Mais de l'autre côté, nous vivons de très, très belles choses. Et nous avons envie que ces choses que nous vivons, ça puisse se transmettre sur toutes les strates de cette génération-là. Amen. Amen. Impact Jeunesse, nous vivons, hier soir nous étions encore, je pense, 100, 140, 150, avec, on a fait un appel au salut, des jeunes qui se sont donnés au Seigneur. Nous sommes dans une série qui s'appelle les 4 saisons, et le défi que je leur ai donné, c'est de s'habiller en fonction de la saison. Et hier, c'était l'hiver. Et moi, j'ai des jeunes qui sont venus en combinaison de ski. Donc je vous assure, les amis, c'est vraiment super cool. Mais je vous encourage, au-delà juste de bon délire, on vit des choses puissantes avec le Seigneur. Amen. Est-ce que nous pourrions peut-être fermer nos yeux quelques instants et juste prier pour cette transition, prier pour les équipes. Saint-Esprit, merci, parce que nous pouvons compter sur toi. Tu es l'architecte, tu es celui qui façonne. Et Seigneur, si tu nous as parlé il y a 2 ans de cela, c'est pour nous préparer. C'est pour nous préparer. Et je crois là encore que pour la jeunesse de la porte ouverte, il y a un changement de saison. Seigneur, il y a une merveilleuse saison qui maintenant laisse place à une nouvelle saison. Mais tout changement est rempli de défis. Et je te prie, Seigneur, de nous donner les solutions à nos défis. Je te prie de pourvoir à tous les besoins, Seigneur, aux ressources, au temps, aux bonnes idées. Seigneur, nous ne voulons pas faire quelque chose de cool, nous voulons faire ta volonté. Nous ne voulons pas juste faire quelque chose de nouveau pour la nouveauté, nous voulons faire ce que tu nous demandes. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous le demandes, alors nous prions, donne-nous tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, je prie, s'il te plaît, que l'Église de la Porte Ouverte reçoive dans son cœur, que chaque membre de l'Église reçoive dans son cœur ce fardeau pour les jeunes. Ce fardeau pour les jeunes. Seigneur, il y a tellement de jeunes qui se perdent. L'enjeu est tellement grand. Ce n'est pas une question d'occuper les jeunes. C'est une notion d'éternité. C'est une notion d'éternité. Seigneur, le nombre de jeunes qui pensent au suicide, le nombre de jeunes, Seigneur, qui se perdent dans leur identité, dans tellement de choses, l'enjeu est grand. Et donne-nous, Seigneur, de prendre l'enjeu au sérieux, particulièrement dans la prière. Je prie pour cela de tout mon cœur. Merci, Jésus, et que toute la louange et la gloire te reviennent pour ce que tu as fait dans cette période et ce que tu vas faire dans la nouvelle période. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour vos encouragements, pour votre compréhension. Je me réjouis énormément. Priez pour nous, mais je me réjouis énormément. Amen. Vous êtes heureux pour ça? On veut prendre soin des jeunes, hein? Bien. Alors, ce matin... Regarde la personne à côté de toi et demande-lui, est-ce que le Saint-Esprit vit en toi ? Est-ce que le Saint-Esprit vit en toi ? J'aimerais introduire mon propos par une première image. Si vous voulez bien me l'afficher, l'image d'une personne. Est-ce que quelqu'un connaît cette personne ? Qui connaît cette personne ? Levez voir la main. Sur le net, vous n'avez pas besoin de lever, soyez rassurés. Personne ne connaît cette personne. Bon, avant de faire des recherches, je ne la connaissais pas non plus. Alors cet homme s'appelle Ronald Wayne. Bah oui, c'est un homme. C'est... Bah, dis donc, maman, on va t'acheter des lunettes. Ronald Wayne, est-ce que maintenant que je vous dis le nom, ça vous dit quelque chose ? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Levez voir la main. Non ? Donc personne ne connaît son visage et personne ne connaît son nom. Pourtant, cet homme est un des 3 fondateurs d'une société très connue, Apple. Ah tiens, il fait partie des 3 personnes qui ont fondé Apple. Vous voyez ce que c'est Apple ? Ok, si maintenant je vous dis Steve Jobs, vous voyez qui c'est ? Pour les plus connectés, oui. Steve Jobs est un des 3 fondateurs, c'est celui qui a initié la fondation d'Apple. Et c'est lui qui est venu chercher Ronald Wayne. Parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui fait les démarches administratives, il avait besoin de quelqu'un qui est un peu plus dans la paperasse, et comme il n'avait pas beaucoup de gens, ils étaient 2, il s'est dit on a besoin de s'entourer d'une 3e personne, et cette personne c'est Ronald Wayne.
Ce qui est intéressant avec Ronald Wayne, c'est qu'il a accepté de devenir un des fondateurs d'Apple. Et il a accepté en échange de quoi ? En échange de 10% des parts de l'entreprise. Ah, c'est un bon deal, hein ? Ça semble être un bon deal. Sauf, écoutez la suite. Il a accepté de recevoir 10% des parts de l'entreprise d'Apple. Mais l'histoire, la belle histoire s'arrête là. Parce qu'au bout de 2 semaines, il a démissionné. Il a revendu ses parts aux 2 autres pour, vous savez combien ? $800. $800. Il a revendu ses 10% pour $800. C'est-à-dire que ces 10% valaient $800 pour lui. Maintenant, est-ce que vous savez combien représentent ces 10% aujourd'hui ? Ces 10% représentent, écoutez bien, $100 milliards. $100 milliards. Cet homme pourrait avoir détenu $100 milliards. Mais il ne réalisait pas ce qu'il avait entre les mains. Il ne réalisait pas ce qu'il avait entre les mains. Et quand vous étudiez un petit peu sa vie, il dira qu'il y avait trop de risques sur le moment. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé de revendre ses parts. Il n'était pas conscient de ce qu'il avait entre les mains. Et ce matin, voyez-vous, je crois que nous pouvons être comme Ronald Wayne. Je crains que nous sommes comme Ronald Wayne. Pas avec 100, à moins que quelqu'un ait 100 milliards entre les mains. Alors là, je suis très intéressé à vous rencontrer. Mais je crois pour quelque chose de beaucoup plus précieux. Et c'est le thème de cette matinée, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, vous savez que nous célébrons la Pentecôte. Et écoutez bien ce texte bien connu, Actes 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux quelques instants et juste prier, Père ? Seigneur, je veux prier pour ce moment maintenant. Je veux prier que tu ouvres nos cœurs. Seigneur, nous pouvons tant de fois dans une église charismatique prêcher sur le Saint-Esprit. Mais Seigneur, je te prie, ouvre notre entendement. Donne-moi, Seigneur, les mots de l'Esprit, afin que nous puissions recevoir quelque chose de toi. Je prie de tout mon être. Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons que tu puisses agir. Nous voulons que tu puisses construire l'Église. Aide-nous à réaliser l'enjeu, Père, je te le demande. Amen. Amen. Pourquoi je crains que nous sommes souvent comme Ronald Wayne ? C'est parce que je pense que nous ne réalisons pas ce qui s'est passé à la Pentecôte. Nous ne prenons pas la mesure de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Souvent, nous décrivons la scène comme vue d'en bas. J'aimerais qu'on puisse ce matin la décrire un petit peu comme vue d'en haut. La scène de la Pentecôte vue du ciel, qu'est-ce que ça a donné ? Vous voyez la Pentecôte ? Alors imaginez juste maintenant tous les anges dans le ciel réunis avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Puisque Jésus a tracé le chemin pour l'éternité, ils sont tous là-bas. Et les voilà tous réunis avec beaucoup d'autres encore. Maintenant, regardez, Jésus est au ciel également. Tenez, fermez les yeux pour imaginer. Ne me regardez pas moi. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Imaginez Jésus au ciel. Jésus a fait sa part. Il a tout accompli. Son sang a été versé sur l'autel dans le tabernacle du ciel. Tout a été préparé pour ce moment, le jour où l'homme serait à nouveau pleinement en communion avec Dieu. Christ a payé le prix pour que ce moment vienne. À vrai dire, c'est la deuxième conséquence directe de l'œuvre de la croix. La première nous donne accès au ciel, la deuxième nous donne la possibilité d'être rempli de l'Esprit. Et maintenant, voilà les 120. Regardez tout le ciel qui regarde les 120. Parce qu'ils ont accepté Christ, ils peuvent vivre ce plus grand privilège que nous puissions avoir. C'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Il y a de l'attente en bas, mais est-ce que vous pouvez sentir la tension, la joie qu'il y a dans le ciel avant que ce moment se produise ? Cette impatience des anges. Et regardez, écoutez maintenant le Seigneur, le Père et le Fils dire au Saint-Esprit, « Vas-y, descends. » Écoutez les anges pousser des cris de joie. Écoutez ces trompettes sonner. Regardez le Saint-Esprit être dans les starting blocks, qui n'attendait qu'une chose, c'est de pouvoir descendre. Et maintenant, regardez la terre être remplie.
Regardez cette pièce être remplie. Pour quelle raison les murs ont tremblé? C'est simplement parce que si la terre avait tremblé, aujourd'hui nous n'existerions plus. Auparavant, l'esprit reposait sur certains, aujourd'hui il les a tous remplis. Écoutez maintenant les acclamations du ciel, les acclamations des anges, les cris de joie pour le fait que la Pentecôte a eu lieu, que l'effusion de l'esprit s'est produite. Oh Saint-Esprit, donne-nous de prendre la mesure de ce qui s'est passé. Donne-nous de prendre la mesure du privilège. C'est tellement glorieux. C'est tellement glorieux. C'est tellement glorieux. Cher Jésus, merci d'avoir fait tout ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui nous puissions en bénéficier. J'aimerais qu'on puisse commencer ce message en faisant une acclamation au Roi des Rois. Pour cette Pentecôte, il mérite beaucoup plus que ça. Frères, sœurs, ils méritent beaucoup plus. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce. Quel glorieux privilège. Pourtant, je me répète, mais prenons-nous la mesure. Prenons-nous la mesure. Pour quelle raison je dis ça ? Parce que lorsque je regarde l'impact du baptême dans le Saint-Esprit, dans la vie des 120, dans la vie des premiers croyants, dans la vie de l'Église primitive, et que je regarde à ma vie, que je regarde à l'impact dans nos vies, sincèrement, j'ai peur des fois. Je me dis, quelle différence ? Quelle différence ? Quelle différence entre ce qu'ils ont vécu et ce que nous pouvons vivre ? Le Saint-Esprit a un potentiel beaucoup plus grand que la place que tu lui laisses actuellement. Et en ce jour de Pentecôte, le titre de mon message c'est « Ce Dieu qui vit en moi ». J'aimerais que nous prenions la mesure du potentiel qu'il y a grâce à ce Dieu qui vit en moi. Nous lui laissons si peu de place. Est-ce que réellement le Saint-Esprit, vous pensez, est venu sur terre pour que nous puissions lui laisser 2 heures le dimanche matin ? Pour que nous puissions lui laisser un peu de place 2 heures le dimanche matin ? Ou peut-être pour inspirer ma prière ? Avant que je mange ce merveilleux repas. Est-ce que réellement il est venu pour ça ? Est-ce que réellement il est venu juste pour dire « Oui, je parle en langue. » Je néglige pas le parler en langue. Voyez-vous, je crois que le parler en langue fait partie des dons les plus merveilleux du monde. Parler en langue, c'est s'adresser à Dieu de façon la plus pure et la plus parfaite. Je néglige pas le parler en langue. Mais je crains que nous le prenons dans nos milieux comme... Une gradation. On s'élève un petit peu. Voyez-vous, comme si vous prenez l'avion et que vous êtes en première classe ou en business classe. Vous avez le droit de rentrer dans la loge de première classe. Il faut que vous montriez votre billet. Et j'ai l'impression que nous, on vient, on dit « Je parle en langue. Je peux rentrer. » Comme si c'est juste un passeport. Frère, sœur, est-ce que le Saint-Esprit est venu pour que tu te flattes de parler en langue ? Je vais même plus loin. Si vous regardez l'acte, si vous étudiez les épîtres, on nous montre qu'on parle en langue. Mais le focus n'est pas sur ça. Le focus est sur l'annonce de l'évangile. Le focus est sur l'impact dans les vies. Je ne suis pas en train de négliger le parler en langue. Mais je suis en train de te dire que le Saint-Esprit n'est pas venu uniquement pour que tu puisses t'enorgueillir de dire « Moi, je parle en langue ». C'est beaucoup plus profond que cela. C'est beaucoup plus intense. Alors peut-être ce matin, j'aimerais nous encourager, ne faisons pas l'erreur de Ronald Wayne. Ne négligeons pas ce que nous avons entre les mains. Ne négligeons pas ce que nous avons entre les mains. Si je peux vous conseiller une lecture, elle ne vous parlera pas beaucoup de cette puissance qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup de livres sur la puissance du Saint-Esprit, mais elle nous amène aussi sur les choses profondes que le Saint-Esprit opère en nous, dans notre changement, dans notre façon de nous comporter. Et ce livre s'appelle « Dieu oublié ». Comme si le Saint-Esprit, dans beaucoup de milieux, est un Dieu oublié. N'hésitez pas à vous le procurer, je suis sûr qu'il vous fera beaucoup de bien. C'est vraiment un homme de Dieu qui l'a écrit. Et je pense qu'il repose des bases. Et ce matin, j'aimerais reposer quelques bases avec vous. Premièrement, ce Dieu qui vit en moi, qu'est-ce qu'il fait ? Ce Dieu qui vit en moi développe ma relation avec lui. Ce Dieu qui vit en moi développe ma relation avec lui. Au travers de 3 personnages, j'aimerais qu'on puisse analyser 3 conséquences de l'Esprit de Dieu qui vit en moi
Premièrement, il développe ma relation avec lui, Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le premier point, c'est de réaliser que le Saint-Esprit est amené à nous enseigner. Le Saint-Esprit est appelé à nous révéler les choses. Le Saint-Esprit est appelé à nous révéler le Père et le Fils. Regardez Jean. Moi, j'aime prendre Jean. Jean est celui que Jésus aimait. Jean est le disciple qui était aimé de Dieu. Il était, quand on lit les évangiles, on peut penser qu'il était certainement le plus proche de Jésus. C'était celui qui pouvait se coucher sur sa poitrine. Papa, moi, je ne peux même pas me coucher sur ta poitrine, dis donc. T'as ma mère ? Ah ouais, c'est bien. J'ai pas envie de me coucher sur... Non, oh non. Dégrossant dans mon message. Bref, vous oubliez tout ce qu'on vient de dire. Mais Jean est celui qui est probablement le plus proche de Jésus. Pourtant, avant cette venue de l'Esprit, avant cette possibilité d'être en communion, d'avoir cette révélation du Père et du Fils, Jean ne connaît que Christ comme l'homme. Jean ne connaît que Christ comme celui qui, certes, est venu sur terre, mais il ne le connaît que comme homme. Et pourtant, regardez ce qu'il dira après. Un exemple, 1 Jean 3, versets 23 à 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Ça vous fait penser à quelqu'un ? Qui parlait comme ça ? Jésus. Jésus. Jésus avait cette compréhension de la relation profonde entre le Père et le Fils. Mais lorsque vous étudiez les lettres de Jean, lorsque vous voyez Jean après la Pentecôte, nous réalisons qu'il a tout à coup une dimension nouvelle de cette compréhension de qui est Jésus, de qui est le Fils, de qui est le Père. Pour quelle raison ? Mais parce que l'Esprit de Dieu le lui a révélé. Parce que l'Esprit de Dieu le lui a enseigné. Prenez les révélations de l'Apocalypse. Quelle révélation ! Et ça, c'est grâce au Saint-Esprit. Grâce à ce Dieu qui vit en lui. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit veut avoir une relation avec toi. As-tu une relation avec le Saint-Esprit ? As-tu une relation avec Dieu ? As-tu une relation avec ce Dieu qui vit en toi ? Ou bien lorsque tu cherches à connaître Dieu, tu commences à regarder des commentaires bibliques, ou à étudier certains livres, certains auteurs. Ou alors tu demandes, Saint-Esprit, parle-moi, éclaire-moi. Avant que je lise ma Bible, je prie, je dis, Saint-Esprit, enseigne-moi, révèle-moi. Avant que je commence une prédication, je prie, j'essaye de passer de plus en plus de temps à prier pour mes prédications. Il y a un grand homme, Watchman Nee, qui disait « Si seulement les prédicateurs prenaient au moins autant de temps à prier pour leurs prédications qu'à les préparer, elles auraient beaucoup plus d'impact. » Et très honnêtement, le nombre de fois où, alors juste que je prie volontairement, je ne regarde aucun commentaire, je n'écoute aucune prédication sur ce sujet, juste je prie, eh bien le Seigneur me montre les choses. Le Seigneur me montre les choses. Cette idée de la Pentecôte vue du ciel, c'est en priant que je l'ai eue. Mais parce que le Saint-Esprit te révèle les choses, te fait comprendre les choses. Tu ne comprends pas toute la Bible, demande à celui qui a aidé à l'écrire. Frère, sœur, est-ce que le Saint-Esprit peut te parler ? Est-ce que le Saint-Esprit peut t'enseigner la Bible ? La Bible est dangereuse si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te l'enseigne. Elle peut t'entraîner dans une religiosité, ou elle peut t'entraîner elle devient trop difficile, trop inaccessible. Elle peut t'éloigner. Ou alors elle peut devenir ton livre de chevet qui te fait déculpabiliser de temps en temps. Si le Saint-Esprit ne t'enseigne pas la Bible, elle est dangereuse. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Si le Saint-Esprit ne t'enseigne pas, alors elle peut devenir dangereuse. Le Saint-Esprit veut te parler. A-t-il l'occasion de te parler ? Comme à Jean, comme à beaucoup d'autres. Voyez-vous, semaine dernière, je disais à quelqu'un, tu sais, le Saint-Esprit... C'est pas comme ton patron que tu dois aller voir le matin pour qu'il te dise la liste des tâches que tu dois faire. Le but du Saint-Esprit, c'est pas ça. C'est pas juste que tu viennes vers lui et que tu dises « Ok, bah, Seigneur, je vais faire ça, ça, ça et ça ». Le Saint-Esprit veut être ton ami.
Il veut partager des choses avec toi. Il veut communier, il veut échanger. Il veut que tu puisses lui dire des choses et il veut pouvoir te dire des choses. La question, c'est est-ce que tu l'écoutes ? Est-ce que tu l'écoutes ? Je le dis souvent. Souvent, nous venons plus vers Dieu pour lui dire des choses que de l'écouter. J'aimerais nous rappeler qu'il est Dieu, vaut mieux l'écouter. C'est bien plus intéressant de l'écouter que de lui dire des choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler à Dieu, hein, comprenez-moi bien. Mais a-t-il l'occasion de te parler ? Il veut te parler, il veut t'enseigner, il veut te révéler ces choses. A-t-il l'occasion ? Amen. Deuxièmement, il y a ce Dieu qui veut développer cette relation avec moi, mais il y a également ce Dieu qui me transforme. Lorsque je laisse de la place au Saint-Esprit, il me transforme de l'intérieur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de ce Dieu qui a tout créé. Alors, par conséquent, il me transforme de l'intérieur. Regardez juste Actes 2, versets 14 à 24. Voilà Pierre, ce fameux Pierre. Mais regardez-le juste quelques minutes après la Pentecôte. Écoutez bien, écoutez sa manière de parler. Alors Pierre se présenta avec les 11 et éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, vous qui séjournez à Jérusalem, sachez et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. » Bon, bien qu'il peut y avoir des gens ivres à la troisième heure du jour. Hein. « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi les vieillards ont des songes ? Parce qu'ils dorment plus que les jeunes gens. Hein. Bon, je passe à... Oui, verset 18. « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. » De ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préhiscence de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et je m'arrête ici parce que sa prédication continue en crescendo. Mais quelle première prédication, n'est-ce pas ? Quelle première prédication ? Je me rappelle la première fois où j'ai dû parler, c'était au groupe de jeunes, je devais avoir, je crois, 17 ans. Et on m'a dit, Benjamin, c'était Thibaut, Samy et tout ça, ils m'ont dit, Benjamin, tu vas dire un mot. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'ils voulaient que je donne un témoignage. Et moi, dire un mot, c'est, bon, ben, alors je vais parler. Et j'ai prié et puis j'ai essayé de réfléchir, de dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire qui va les intéresser ? Vous savez quel était le thème ? Le thème, c'était la démonstration philosophique que Dieu existe. Et je leur ai parlé de l'enseignement de Descartes comme quoi... Ah non, je ne vais pas vous l'enseigner parce que je vais pas vous... Mais je pense que j'ai perdu tout le monde. Mais ça, ce n'est pas ce que Pierre a fait. Quelle autorité à ce moment-là ! Quelle puissance ! Quelle incroyable autorité ! Ce même Pierre, suite à sa première prédication, verra 3000 personnes être converties. 3000 personnes. C'est incroyable. Suite à la première prédication, et en plus il n'y avait même pas de notes, ce même Pierre qui, quelque temps avant, était impertinent, égoïste, orgueilleux, menteur, sanguin, comme tous les autres disciples, il ne comprenait rien à ce que Jésus lui enseignait. Par colère, il coupera l'oreille de quelqu'un, quand même. Hein. Et quelque temps après, il reniera le Christ 3 fois. Ce même Pierre, juste après la Pentecôte, devient un homme rempli de zèle, un homme qui annonce puissamment l'Évangile, un homme qui n'a pas peur de confronter son auditoire. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir. Cet homme qui, quelque temps avant, venait de renier le Christ. Cet homme maintenant est rempli de courage, de zèle. Il parle avec autorité, mais il parle également avec compassion. Quel changement ! Pourquoi ? Parce que quand le Saint-Esprit nous remplit,
quand le Saint-Esprit nous remplit, nous immerge de sa présence, alors nous sommes plongés dans toutes les caractéristiques du Saint-Esprit. Et j'aimerais nous le dire ce matin, toutes les caractéristiques du Saint-Esprit ne sont pas que puissance et feu. Le Saint-Esprit est rempli de compassion. Le fruit de l'Esprit, Galates 5, versets 19 à 23, c'est ce qui nous est enseigné. Lorsque nous lui faisons de la place, voilà ce qu'il est dit. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et la loi n'est pas contre ces choses. Ceci est le fruit de l'esprit. C'est la conséquence du fait que de ce Dieu qui vit en toi. C'est l'impact direct du fait que tu laisses de la place à ce Dieu qui habite en toi. De la bonté, de la joie, frère, sœur, de la douceur, de la patience. Alléluia, de la patience. Est-ce que tu le vis? Et là, écoutez-moi bien, je ne parle pas dans une mesure humaine, parce que si c'est le fruit de l'esprit, c'est surnaturel. Est-ce que tu le vis? Il y a quelque temps de ça, je devais enseigner sur le fruit de l'esprit aux étudiants de JSP et j'aurais dit, ok, vous allez faire une liste des différentes caractéristiques du fruit de l'esprit. Vous mettez amour, joie, paix, patience, etc. Maintenant, honnêtement, devant Dieu, vous allez mettre un pourcentage à côté de chacun. 100% étant Saint-Esprit a tout fait. Et bien, je peux vous assurer que si vous faites cet exercice, vous verrez que vous n'aurez pas une très bonne note. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez qu'il y a encore du travail. Mais parce que pour cela, il faut que le Saint-Esprit ait de la place en nous. Il faut qu'il ait la possibilité d'œuvrer. Oui, c'est tout aussi surnaturel que les dons. Le Saint-Esprit ne se résume pas à des dons. Le Saint-Esprit ne se résume pas qu'à de la puissance. Le Saint-Esprit se manifeste également par cette caractéristique-là. C'est tout aussi surnaturel. Et pour être honnête, je pense qu'on ne mesure pas l'enjeu du fruit de l'Esprit. Je pense que nous ne réalisons pas l'importance du fruit de l'esprit. Réfléchissez bien. Sans le fruit de l'esprit, les dons peuvent être dangereux. Sans le fruit de l'esprit, sans que ça soit motivé par l'amour, donner une parole de connaissance peut être dangereux. Vivre l'exercice des dons peut être très dangereux. Demandez aux Corinthiens. Pourquoi Paul enseigne les dons et ensuite il enseigne que l'amour prime? Mais c'est parce que tout doit se faire avec ce fruit de l'esprit. Nous devons être des hommes et des femmes qui sommes transformés profondément de l'intérieur pour être des lumières. Être des lumières, ce n'est pas juste donner une parole de connaissance. Être des lumières, c'est aimer les gens comme Christ a aimé l'Église. C'est aimer les gens jusqu'au point de donner ses vêtements, au point de prendre soin d'eux. Un des hommes où j'aime le fruit en lui, je le vois, c'est Bertrand. Et je sais qu'il n'aime pas qu'on parle de lui. Mais prenez un peu de temps avec lui. Vous verrez que le fruit de l'esprit en lui est grand. C'est un homme qui se donne. C'est un homme qui ne compte pas. Mais c'est un homme qui s'est laissé imprégner, transformer par le Seigneur, par l'esprit qui agit en lui. Deuxième remarque, les œuvres de la chair sont des œuvres qui donnent un impact sur le comportement. La plupart sont l'ivrognerie, les excès de table, etc. Alors que le fruit de l'esprit, c'est une dimension plus profonde. Ça a trait au caractère. La joie, la paix, la patience. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que le Saint-Esprit ne veut pas juste que tu fasses des bonnes œuvres. Le Saint-Esprit veut te changer en profondeur. Ça n'a pas uniquement trait à ton comportement, ça a trait à ton aspect, à l'aspect caractériel de ta vie. Dieu veut changer ton caractère. Tu dis que ton caractère ne peut pas changer, t'es comme ça et il faut l'accepter. J'aimerais te dire que ce n'est pas biblique. Le Saint-Esprit veut changer ton caractère. Donc arrête de dire « je suis colérique » et c'est tout. Si tu laisses l'Esprit de Dieu te transformer, il va te changer, il va te donner cette paix, cette joie, cette patience. Allez, ça ne vous donne pas envie? Moi, ça me donne envie.
pour tous ceux qui m'entourent, pour mon épouse, pour mon enfant. J'ai envie d'être un bon papa. J'ai envie d'avoir un bon caractère. Je n'ai pas envie de m'énerver comme par moments on me l'a fait sentir. Hein, cher papa, je pense que la patience chez toi, tu ne dois pas avoir un très grand pourcentage. Mes frères valideront. Mais ma mère dit, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien. Sache que tu as encore un peu de temps sur terre pour travailler. Mais j'ai encore du travail. J'en suis tout à fait conscient, cher père. Ne t'en fais pas. Mais écoute-moi bien. Le fruit de l'esprit, si c'est surnaturel, ça signifie que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Voyez-vous, quand on me dit « Ah, j'essaye, je me donne de la peine, j'arrête d'essayer d'être colérique et tout ça », là aussi, j'aimerais aller dans l'autre sens. Ce n'est pas biblique non plus. C'est le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas à toi de te donner de la peine, c'est à toi de laisser le Saint-Esprit agir. Ce n'est pas à toi d'essayer de te changer. Tu ne peux pas te changer, mais l'Esprit de Dieu, ce Dieu qui vit en toi, lui peut te transformer. Lui peut faire la différence. Lui peut te donner un bon comportement. Mais ça signifie une chose. Ça signifie une chose. Alors on a eu un décalage. C'est le décalage horaire, je pense. Hein. Ça signifie une chose. Voyez-vous, pour recevoir les dons, pour exercer les dons, il faut de la foi. Pour vivre le fruit de l'esprit en nous, il faut de la foi. Tu ne peux pas te saisir du fruit de l'esprit si tu ne le fais pas par la foi. Tu dois t'y attendre avec foi, tu dois le désirer, tu dois prier pour, tu dois chercher la face de Dieu, de dire « Seigneur, donne-moi un bon caractère, donne-moi d'être aimable, donne-moi d'être bon avec mes voisins, donne-moi d'être bon avec ceux qui se perdent, donne-moi de donner envie. » Mais Seigneur, je l'attends avec foi, je m'y attends et je ne lâcherai pas tant que je ne vois pas du résultat, tant que je ne vois pas ce fruit davantage, de plus en plus dans ma vie. Alors je continuerai à m'y attendre. Alléluia. Alléluia. Enfin, dernier point, ce matin, et je veux vous prévenir, pendant que l'équipe prépare la dernière vidéo, je ne veux pas prêcher longtemps, pour quelle raison? Parce que je crois que nous avons encore un temps à vivre après. D'accord? Je sais que la Pentecôte, c'est un beau week-end, en plus il y a le jour férié demain, donc j'aimerais vous dire, peut-être qu'on va dépasser un petit peu, mais là on se réjouit de la venue du Saint-Esprit. D'accord? Avant quoi que ce soit, je crois qu'il y a encore un temps que Dieu veut que nous vivions. Mon dernier point, premièrement, il y a ce Dieu qui développe ma relation avec lui. Deuxièmement, il y a ce Dieu qui me permet d'être transformé de l'intérieur. Mais troisièmement, ce Dieu, que fait-il? C'est qu'il m'équipe. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Tu n'as pas besoin de dire « je suis assez vieux maintenant ». Si tu as le vélo électrique, tu peux battre Peter Sagan. Tu peux le vaincre. Pour quelle raison? Parce que c'est le Saint-Esprit, ce Dieu qui vit en toi, qui t'équipe et qui te donne cette puissance. Est-ce que nous réalisons? Est-ce que nous prenons la mesure? Le Saint-Esprit était là à la fondation du monde. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était là. Il était là alors qu'aujourd'hui nous pouvons être en communion avec lui. Ce même Esprit était là lorsque les murailles de Jéricho sont tombées. Il était là. Ce même esprit était là lorsque Jésus a fait marcher le paralytique, lorsque Lazare est revenu à la vie. Ce même esprit était là lorsque Jésus a réouvert les yeux au bout de 3 jours. Ce même esprit était là. Et aujourd'hui, il dit, vous pouvez vivre cette puissance parce que j'habite en vous. La puissance, écoutez bien, la puissance de Dieu est à notre portée. La puissance de Dieu est à notre portée. Nous, faibles humains, Dieu nous fait la grâce d'avoir la possibilité de vivre sa puissance. Elle est à notre portée. Regardez un exemple très marquant. Je vous ai dit 3 personnages. Le dernier que je veux voir avec vous, Paul. Écoutez bien, Actes 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies le quittait et les esprits malins sortaient. La Bible ne nous précise pas s'il s'était mouché avec les mouchoirs avant. Mais si certains veulent mon mouchoir, je peux le donner si vous voulez. Paul fait probablement partie de toute l'équipe des apôtres qui était celui qui était le plus calé théologiquement. C'est celui qui savait le plus de choses. C'est celui qui avait intégré le plus d'informations. C'est celui qui était, à mon avis, le plus intelligent de tous.
maintenant, écoutez ce qu'il dira. Il dira les choses que je considérais comme excellentes, aujourd'hui je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Paul avait tellement de connaissances, Paul avait tellement de capacités, mais dès le moment où il a rencontré Christ, où il a été baptisé du Saint-Esprit, tout à coup, ce qu'il lisait, ce qu'il connaissait, il le vivait. Ce qu'il lisait, ce qu'il connaissait, il le voyait dans sa vie. Le moment où le Saint-Esprit est venu dans sa vie lui a permis de vivre une autre dimension de la relation avec Dieu. C'est cette dimension de puissance que tu ne peux pas vivre sans le baptême dans le Saint-Esprit, sans le baptême de l'Esprit. Ne néglige pas cette puissance qui est en toi. Qui est baptisé du Saint-Esprit ? Levez voir la main. Ne néglige pas la puissance qui est à ta disposition. Ne néglige pas la puissance qui est à ta disposition. Voyez-vous, par moments, j'ai peur de limiter la puissance du Saint-Esprit. J'ai peur de limiter la puissance à des moments ou à des lieux. La prière pour les malades le mardi soir, j'ai peur de contenir le Saint-Esprit dans ça. Ou l'exercice des paroles de connaissance quand on est en train de prendre la Sainte Cène. Il y a tellement plus que ça, tellement plus. Et ces derniers temps, je prie et je demande à Dieu, et on est tous pareils. Quand on a tellement l'habitude de vivre ces choses, encore une fois, nous sommes de grands privilégiés. Mais quand nous sommes tellement habitués, nous ne prenons même plus la mesure. Et nous pensons, oui, c'est ça, vivre la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ça. Jésus a fait marcher un paralytique. Jésus a ressuscité des morts. Et ça, c'était pas dans les synagogues. Ce n'est pas dans les synagogues. J'ai peur que nous nous habituons parce que nous ne réalisons pas. Il y a quelque temps de cela, je demandais aux ados, je leur demandais, c'est quoi une parole de connaissance ? Ils en entendent tous les dimanches. Ils en entendent tout le temps. Aucun n'était en mesure de me dire ce que c'était. Aucun. C'est grave. Parce que nous ne réalisons pas. Nous ne réalisons pas. Je crains que par moments, nous négligeons la puissance de Dieu. Est-ce que le Seigneur a des fois l'occasion de te dire « Arrête ta voiture, va prier dans cette maison parce que quelqu'un est malade. » Est-ce que le Seigneur a l'occasion de te dire « Va prier pour ton collègue qui a mal au genou. » Ou est-ce que tu dis « Je vais prier pour lui mardi soir. » Est-ce qu'il a l'occasion de t'amener plus loin, de te faire sortir hors des sentiers battus ? Hors des sentiers battus, hors de ce qu'on connaît. Premier miracle que Jésus a fait, c'était de changer l'eau en vin alors que les gens avaient déjà bu plein de vin. Qu'est-ce que nous aurions dit ? On a dit, Seigneur, tu les pousses à pécher. Mais Jésus sortait. Jésus n'avait pas peur de ce que les gens pensaient. Jésus se laissait conduire parce que c'est ça qui est déterminant. Si tu veux vivre pleinement la puissance du Saint-Esprit, il faut que tu acceptes de te laisser conduire. Il faut que tu acceptes de ne pas limiter un cadre. Il faut que tu acceptes de le laisser faire ce qu'il veut, comme il veut. Nous étions en week-end, il y a 3 semaines de ça, je crois, avec le groupe, 2 semaines de ça, avec le groupe de jeunes. Et il y a eu un moment où vraiment je sentais l'Esprit de Dieu qui nous disait, c'était une soirée, on sentait quelque chose de particulier devait se passer. Et on a d'abord commencé la louange. Et vous savez, on a l'habitude de vivre un temps très particulier après la prédication. Hein, comme on peut le vivre. On a l'habitude de... Et là, on vivait le temps de louange et Dieu me donne une parole. Et alors que Dieu me donne une parole, mais tout à coup, il y a une présence qui est là avec des jeunes entre 15 et 23 ans, mais une présence à couper au couteau. Je vous assure, ça faisait longtemps que j'avais peur de dire un mot à côté de l'autre parce que je sentais la sainteté de Dieu qui pouvait me foudroyer sur place. Une sainteté qui était là. Les murs ne tremblaient pas, mais je peux vous assurer que mon rythme cardiaque avait augmenté. Mais toute la direction a changé. Mais parce que nous ne voulons pas le contenir. Et si le Saint-Esprit maintenant nous conduisait à ce que, c'est pas le cas, hein, en tout cas pour l'instant, mais nous conduisait à ce que je prêche 3 heures. Ça, c'est ceux qui ont pris un petit déjeuner qui disent ça. Mais juste, laisse-moi t'aider à réfléchir. Comment tu réagirais ? Comment réagirais-tu ? Comment réagirais-tu ? Ah, c'était long. Ah, dis donc. Je crains que dans nos églises,
on parle plus de ceux qui étaient sur la plateforme que ce que le Seigneur a fait à ce moment-là. On parle plus de ce que le Seigneur, de ah, il a bien prêché, oh la louange, c'était beau, etc. Que ce que le Seigneur a pu faire sur ce moment. Des délivrances ont eu lieu, des malades ont été guéris, des âmes ont été sauvées, la présence de Dieu était là, j'ai pu être rafraîchi. Frères, sœurs, j'aspire à ça. J'aspire à ça et je m'inclus dans ce message. Voyez-vous, je m'inclus pleinement. Parce que je crois que tellement de fois, j'ai négligé. Ne néglige pas ce que le Seigneur veut faire pour ton collègue au travers de toi. Chez la femme seule qui vit en face de chez toi. Pour transformer une famille sur ton lieu de vacances. Ne néglige pas ce que le Seigneur veut faire. Alléluia. Mais si tu veux vivre la puissance, il faut le laisser te conduire et il faut que tu acceptes d'ouvrir ta bouche. Enfin, j'aimerais conclure, pendant que l'équipe de musique s'installe, Pourquoi tu penses que ce n'est pas possible? Plusieurs, vous avez cette pensée, c'est pas possible, pas pour moi. Est-ce que tu n'as pas le même Dieu qui vit en toi que celui de Paul? Est-ce que tu n'as pas le même Dieu? Ne pense pas que ce n'est pas possible. Et je conclue avec un texte, pendant que l'équipe tranquillement se laisse conduire, joue un morceau et je veux qu'on puisse prendre encore un temps avec le Seigneur. Le texte de l'année, le texte référence de l'année, c'est Luc 9, verset 13. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est un commandement que Jésus nous a laissé. Donnez-leur vous-même à manger. Ce matin, j'aimerais te rappeler qu'en ce jour si particulier, tu ne pourras pas donner à manger à ton prochain si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te remplir. Si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te conduire. Si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te changer pour que ton cœur soit apte à vivre ce qu'il a prévu que tu vives. Pour que tes paroles ne soient pas des paroles de condamnation, mais des paroles de vie. Si tu veux pouvoir donner à manger, si tu veux pouvoir vivre ce commandement, tu as besoin de cela. Et pas juste ce matin c'est l'occasion de nous le rappeler, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours. La Bible nous dit, soyez remplis de l'Esprit, c'est un commandement. C'est un commandement. Soyez remplis de l'Esprit. Cela signifie que nous devons tout faire pour chercher à être remplis de l'Esprit. Tout. Pouvons-nous fermer nos yeux quelques instants? Juste ferme tes yeux. La Pentecôte nous permet de rentrer dans une dimension de proximité avec Dieu que nous ne pouvions pas avoir avant. Nous permet de vivre quelque chose que nous ne pouvions pas vivre avant. Ce matin, laisse-toi conduire. Si Jésus a vécu une vie d'homme, si Jésus a vécu une mort terrible, c'est pour te donner accès au ciel. Mais c'est pour que ta vie ici-bas soit utile. C'est pour que ta vie ici-bas te permette de découvrir plus le Seigneur. Jésus nous dira, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Mais je vais être honnête avec vous, et c'est ce que je dis tellement souvent au Seigneur. Je dis, Seigneur, à quoi servent les ouvriers s'ils ne sont pas efficaces? À quoi servent des ouvriers dans la moisson s'ils ne sont pas efficaces? Peut-être que tu t'es acharné comme ce cycliste professionnel, alors que Dieu t'a équipé de quelque chose de bien plus puissant. Quel serait le résultat si ce cycliste professionnel était sur ce vélo électrique? Tant de fois, je t'ai limité, Seigneur. Ce matin, est-ce que le Saint-Esprit a la possibilité de faire son œuvre en toi et au travers de toi?
Ou est-ce que la petite place dans ta vie, c'est 2 heures dimanche matin? L'enjeu est très grand. L'enjeu est très grand. Au travers d'un homme comme Papa Burkhard, aujourd'hui, c'est 800 églises qui sont là-bas. Au travers d'un seul homme. Au travers de 120 personnes. C'est le monde antique qui a été complètement retourné par l'annonce de l'évangile. Au travers de 120 personnes qui se sont laissées remplir par l'Esprit et qui sont sorties. Donnez-leur vous-même avant à manger. C'est uniquement possible dans la mesure où nous nous laissons remplir et diriger par l'Esprit. Dans la mesure où nous laissons développer cette relation avec lui. Dans la mesure où nous le laissons nous transformer de l'intérieur et vivre le fruit de l'Esprit. Et dans la mesure où nous le laissons nous équiper de ses dons. Et nous allons, nous parlons. Ce matin, dans mon cœur, pendant la louange, le Seigneur me disait, il y a 2 moments à vivre. Premier moment est un temps de repentance. Un temps de repentance. Après, nous chercherons encore quelques instants l'Esprit de Dieu. Si vous voulez partir, vous n'êtes pas obligé de rester. L'église est ouverte. Mais si ce matin tu sens Saint-Esprit qui t'appelle, alors commence par vivre peut-être ce temps de repentance. Peut-être pour lui demander pardon pour toutes les fois où tu ne lui as pas laissé la place, toutes les fois où il voulait t'utiliser et tu as refusé par peur, toutes les fois où tu ne l'as pas laissé te changer, te transformer, toutes les fois où tu l'as limité. Ce matin, si c'est ton cas, commence à élever ta voix. Nous ne sommes pas là pour nous écouter les uns les autres. Nous sommes là devant Dieu. Il y a un temps saint qui est devant nous. Un temps saint. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je demande pardon d'avoir négligé cette belle présence du Saint-Esprit. Seigneur, je te demande pardon d'avoir tellement de fois sali ce temple que je suis pour toi, Saint-Esprit, par mes mots, par mes pensées, parce que je peux regarder, écouter, je te demande pardon de n'avoir pas pris la mesure de ce Dieu si grand et si puissant qui vit en moi, de n'avoir pas pris la mesure de ce privilège que j'ai, qui était réservé à une élite spirituelle avant ton arrivée, Jésus. Je te demande pardon, demande-lui, lève ta voix, vivons un vrai temps de repentance. Si tu veux te mettre à genoux devant le Seigneur, mets-toi à genoux. Si tu veux te lever, lève-toi. Vivons ce temps, laissons-nous conduire quelques instants. Saint-Esprit, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où tu m'as dit de changer et je n'ai pas changé. Toutes les fois où j'ai dit oui, mais je n'ai pas changé. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas eu la foi de croire que tu peux faire certaines choses. Seigneur, j'ai soif. J'ai soif, Seigneur, que tu nous amènes plus loin. Et je crois, Père, que tu appelles cette église à aller bien plus loin encore. Mais Seigneur, nous voulons être de ces 120 qui ont attendu patiemment. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'attendre, mais ça montre leur détermination. Père, nous voulons être déterminés. L'enjeu est trop grand, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes ces personnes, Saint-Esprit, où tu m'as conduit et je n'ai pas parlé de toi. Je n'ai pas parlé du Père, du Fils, je n'ai pas parlé de la croix. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois, Seigneur, où je ne t'ai pas honoré par mon caractère. Oh, Jésus. Jésus, je te demande pardon. Fais-moi grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, au nom de l'Église, je veux te demander pardon si, même si nous ne l'avons pas dit, peut-être nous t'avons limité. Nous t'avons limité un programme, un temps. Tu sais notre désir de ne pas le faire, mais Seigneur, parfois nous sommes si faibles. Pardonne-nous si cela ne t'a pas plu. Pardonne-nous toutes les fois où nous ne t'avons pas pleinement honoré comme tu l'aurais aimé. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Vois nos cœurs repentants.
Vois nos cœurs qui s'inclinent devant toi, qui reconnaissent ta puissance, qui reconnaissent ton rôle, qui reconnaissent qui tu es. Pardonne-nous, donne-nous de changer, donne-nous de changer, donne-nous de ne pas rester sur des acquis, donne-nous de ne pas te limiter. Seigneur, j'aspire tellement à ce que les paralytiques se lèvent dans ce lieu. J'aspire tellement, Seigneur, à ce que les démons soient chassés puissamment, à ce que les aveugles voient, à ce que les morts reviennent à la vie. Ça fait bien longtemps qu'un mort n'est plus revenu à la vie au travers d'un membre de l'Église ici. Seigneur, j'aspire tellement à ce que des foules se convertissent. Ça fait bien longtemps qu'on n'a plus vu 30, 40, 50 personnes devant. Il y a eu un temps où nous le vivions. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Donne-nous de prendre la mesure de qui tu es, de prendre la mesure de ta sainteté, de prendre la mesure de ton rôle, de ne pas te négliger, s'il te plaît. Dans l'Église, et dans nos vies de tous les jours. Cherchons-le quelques instants. Toi qui es repentant et qui as soif d'être vive comme cette vague de l'Esprit qui va encore venir. Nous ne voulons pas faire durer pour faire durer. Nous voulons laisser l'Esprit de Dieu agir comme il le veut. Alors que nous allons prendre ce cantique, laissons-nous conduire. Je crois que ce que nous faisons lui fait plaisir maintenant. Et c'est le but. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Oh, laisse-toi conduire. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te lever, lève-toi. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance. Viens et... Oh, encore une fois, dis-lui bienvenue Saint-Esprit, de tout ton cœur. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Oh, nous voulons te laisser toute la place, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence. Nous ne voulons pas te limiter, nous ne voulons pas te contrôler. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Par tes mots ce matin. Nous sommes en ta présence.
cœur. Dis-lui, tu es cette eau vive. 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 Source d'eau intarissable. Ô Jésus, esprit de réconfort. Esprit de réconfort. Viens et... Oh, élève tes mains et dis-lui encore, Seigneur, tu es cette eau vive.
avec les anges, élève ta voix avec la multitude. De garder ce que tu nous as donné ce matin. Donne-nous de ne pas perdre ce que tu nous as donné. Notre pays a tant besoin d'hommes et de femmes qui vivent pleinement ce Dieu qui vit en nous. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Donne-nous pour seul désir de te faire plaisir chaque jour par notre comportement, par notre caractère, par nos paroles, par notre foi. Seigneur, nous croyons que tu nous as donné, alors donne-nous maintenant d'aller. Donne-nous d'aller et de briller. Je prie, Seigneur Jésus, je prie s'il te plaît, que jamais cette église ne se trompe d'objectif. Seigneur, que jamais cette église ne se trompe. Tu nous as donné cette parole de la porte ouverte que tu donnais à Philadelphie. Seigneur, donne-nous de la garder. Donne-nous de la garder. Parce que tu as été fidèle, avec peu de puissance. Donne-nous juste de chercher à te faire plaisir. Nous ne cherchons pas le sensationnalisme. Nous ne cherchons pas, Seigneur, à élever des hommes. Mais nous cherchons à te rendre la gloire par tout ce que nous faisons. Si c'est par les miracles, alors que les aveugles voient, que les paralytiques se lèvent, que les morts reviennent à la vie. Mais si c'est par nos comportements, Seigneur, alors que nous puissions briller par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Peu importe comment. Mais nous voulons te laisser toute la place, Père. À toi revient l'honneur, la louange et la gloire. Seigneur, pour ce que tu as fait en ce jour de Pentecôte, merci infiniment. C'est ce qui a donné, Seigneur, un virage pour l'Église. Merci, Saint-Esprit, d'être l'architecte. Et merci de pouvoir en bénéficier. Qu'à ton nom seul revienne toute l'honneur et la gloire, Père. Terminons en lui faisant une ovation, si vous le voulez bien. Alléluia. Amen. On n'aurait pas envie de partir, n'est-ce pas?
Ah, j'ai pas envie de quitter ce lieu, hein. Vous pouvez aller manger, moi je reste ici. Vous savez quoi, on va terminer avec un dernier chant qui fait la fête pour célébrer le Seigneur. Amen. On va prendre un fa si vous voulez bien. Christ est ma joie. Je vous laisse commencer. On peut taper dans les mains ensemble? Ah non, tapez pas avant la batterie, tapez pas avant la batterie. C'est parti. Gardez ce que vous avez reçu. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bon dimanche, soyez bénis. Alléluia, moi j'ai envie, hein. Alléluia. Est-ce que ton micro est allumé? Ouais, super, très bien. Seigneur. Merci Seigneur, il nous aime tellement, il nous aime tellement et nous allons passer aux questions. C'est dur, excusez-moi. Excusez-moi les amis. Nous avons une internaute en fait dont on va taire le nom qui demande, sa famille est musulmane et elle a été convertie au christianisme, mais en fait elle demande qui est le Saint-Esprit parce qu'elle a pris le culte en cours et elle sait vraiment pas, et elle demande c'est qui et puis comment faire pour développer sa foi en lui. D'accord, alors le Saint-Esprit c'est un des membres de ce qu'on appelle la Trinité. Alors la Trinité ça peut être quelque chose de très flou. Mais la Bible nous enseigne que Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le même Dieu, mais qui est sous trois personnes différentes. Et le Saint-Esprit est celui qui aujourd'hui est sur terre. Le Père et le Fils sont au ciel, mais le Saint-Esprit est sur terre comme pour nous enseigner. Il nous révèle le Père et le Fils. Et cette communion que nous devons avoir avec lui, c'est une amitié. Et nous pouvons apprendre à le connaître comme un ami. Saint-Esprit est une personne qui a des sentiments. La Bible dit que nous pouvons l'attrister. Il peut se réjouir. Simplement, il faut juste le chercher et juste lui parler. Comme on parle à Dieu, je pense, moi de temps en temps, j'aime bien parler au Saint-Esprit, dire « Cher Saint-Esprit, merci pour cette journée, merci parce que tu m'inspires, parce que tu me conduis. » Simplement,
Puis j'encourage cette sœur à chercher aussi sur le net. On a différentes prédications aussi qui continuent de parler sur lui et peut-être de l'écouter, celle-ci, en replay. Comme ça, vous avez la première partie aussi. Vraiment. Merci beaucoup. Et puis, il y a Fonzie, en fait, qui dit qu'il est baptisé depuis 2004. Oui. Mais en fait, il a connu des hauts et des bas. Il a connu tellement de choses qu'il a, en fait, il doute. Il se demande s'il est encore sauvé. Après, il nous spécifie pas de quel baptême il a été baptisé. Mais il demande, est-ce qu'il peut encore croire qu'il est sauvé? Et puis, comment il fait aussi pour parler en langue? Parce qu'il aimerait bien parler en langue. Je pense il y a deux choses. La première chose, c'est si nous voulons être sauvés, il faut accepter Jésus et accepter ce qu'il a fait pour nous. À partir de ce moment-là, alors nous naissons de nouveau. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc si ce cher Fonzie a fait ça, il est sauvé. Dans la mesure où il continue de le chercher. C'est pas juste une fois accepter Jésus et le mettre de côté tous les autres jours de notre vie, c'est tous les jours marcher avec lui. Jésus dit que c'est un chemin étroit, et tous les jours nous devons marcher avec lui. Donc si Fonzie, tu marches avec lui, alors bien sûr que tu peux avoir cette assurance que tu iras au ciel, mais développe cette relation avec lui. Et pour pouvoir être baptisé du Saint-Esprit, le parler en langue, c'est une des manifestations du baptême dans le Saint-Esprit. Mais je crois qu'il faut le chercher, qu'il faut le demander et qu'il faut s'y attendre avec foi. Mais est-ce qu'il a besoin de se refaire baptiser? Non, bah, s'il est déjà baptisé d'eau, il n'y a pas besoin d'être à nouveau baptisé d'eau. Je pense que par rapport au baptême dans le Saint-Esprit, je pense que Dieu nous amène, comme ce matin, à être rafraîchis à nouveau. Et comme des fois, ce rafraîchissement qui vient à nouveau. Et je pense que c'est essentiel, c'est très important. Donc le baptême par immersion, on n'a pas besoin de le refaire? Si nous sommes baptisés par immersion parce que nous voulons suivre Jésus, il n'y a pas besoin de le refaire pour se rapprocher de Dieu, non? Ok, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vraiment, je vous encourage, chers internautes, à avoir soif de ça. Avoir soif. Et je sais que certains, vous êtes dans des endroits difficiles. Si le Saint-Esprit est avec vous, c'est comme le papa Burkhard, c'est comme les 120 lors de la Pentecôte. Vous pouvez changer toute une région grâce au Saint-Esprit qui habite en vous. Ne le restreignez pas de tout cœur. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Bon dimanche. Alors les amis, moi, j'ai plus rien à dire. Le pasteur Benjamin a tout dit. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse et soyez remplis du Saint-Esprit. Il est tellement bon. Bye bye, nous vous aimons.